Freddie Mercury et à Queen ce soir à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas, à l'ouest de Montpellier. Franck Barnier-Aubert, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le chanteur des Toons et les Toons, donc vous, un amour immodéré à Queen et à Freddie Mercury. Oui, on peut dire ça, oui, c'est ça. Exactement. Vous êtes tombé dedans comment? Alors moi j'ai découvert le groupe à l'âge de 14 ans, on m'a offert un disque, bêtement, on m'a offert un disque de Queen, et puis ça a un peu changé ma vie par la suite quoi. J'ai du fan, on était en 1980 à l'époque, donc ça remonte un tout petit peu. C'était voilà. Quel album qu'on vous a offert? C'était l'album The Game, voilà, l'album où on peut retrouver Another World by the Dust, oui. Voilà ce genre de tube. J'allais dire... L'un des albums cultes, ils sont presque tous cultes d'ailleurs, les albums de Queen. Celui-là en l'occurrence c'est le premier dans lequel ils utilisaient un synthétiseur, voilà pour l'anecdote. Et il y a eu un déclic, donc ça a été tout de suite un coup de foudre. Ah oui, absolument, ouais. Oui. Bah, quelques années avant, j'étais tombé sur We Will Rock You, ça m'avait pas emballé parce que je comprenais pas trop le concept de la chanson. Et puis The Game, ça a remis les pendules à l'heure. Ouais. Et ensuite, vous avez suivi et l'actualité de Queen et l'actualité de Freddie Mercury sans arrêt. Bah, j'ai eu la chance de les voir trois fois sur scène, en fait. Je les ai vus deux fois en 1986 et une fois en 1984 à Bercy. C'est clairement un souvenir que je peux pas oublier, quoi. Et c'est ce que raconte un peu l'album, l'album que nous avons sorti et qui fait l'objet du spectacle ce soir, quoi. Voilà. Alors pourquoi ce nom, les Toons? Il y a une référence à Freddie Mercury, à Queen? Alors, pas du tout. Ouais. En fait, moi, je suis originaire de Die, la ville de Die, enfin, dans la Drôme, la clairette de Die, voilà, et c'est disons que c'est un surnom gentil que donnent les gens du pays aux hippies, aux babacool, en fait, voilà, aux gens avec les cheveux longs, quoi, comme c'était mon cas à l'époque, quoi, donc, on m'a traité de Toons au moment où je cherchais un nom pour le groupe, j'ai trouvé ça rigolo, et on l'a gardé, mais je pensais pas que ça allait perdurer 27 ans, 25 ans. Oui. Alors comment est-ce qu'on reprend? On va écouter dans un instant justement ce que vous faites et ce titre qui rend hommage à Freddie Mercury. Mais lorsqu'on veut reprendre du Freddie Mercury, Queen également, on s'attaque quand même à un gros morceau. Comment est-ce qu'on s'y prend? Absolument. Alors nous, ça, je pourrais dire que c'est un hommage entre guillemets un petit peu détourné. C'est-à-dire que nous, on joue l'album. Chaque chanson est en rapport avec. Alors, ce sont des chansons originales, on est d'accord, hein, sur l'album. La première demi-heure, en tout cas, c'est des chansons originales où je raconte. Enfin, chaque chanson a une histoire en rapport avec Queen. Et évidemment, la seconde partie du spectacle, on envoie tous les gros hits de Queen, histoire que tout le monde puisse chanter avec nous. Mais la première partie, c'est un peu narratif, enfin pas trop non plus, hein, mais je raconte un peu l'histoire des chansons. Et c'est une relecture de l'album live, en fait, quoi, voilà. Alors vous savez quoi, plutôt que d'en parler, on va écouter un extrait justement de cette composition originale des Toons. Référence en effet à Queen dans les paroles. Donc vous chantez en français régulièrement sur les compositions originales. Absolument. Ouais. Voilà. Pour faire vite, cette chanson raconte l'épisode où Freddie Mercury s'est un peu détourné du rock'n'roll pour se tourner vers la musique classique avec sa rencontre avec la cantatrice Montserrat Caballé. Voilà, c'est ce que raconte un peu cette chanson. Il avait chanté lors des Jeux Olympiques de Barcelone, je crois. Voilà, c'est ça en 92. Non, puisque c'était libre, mais en fait, en 92, Freddy était déjà parti, mais il avait chanté avec Montserrat Caballé en effet. Absolument. Vous savez quoi? Vous allez rester avec nous. Franck, on va parler de ce concert qui a lieu ce soir, donc à partir de 20h à la Secret Place, c'est à Saint-Jean-de-Védas. Alors, vous l'avez compris, composition originale et puis quelques reprises de Queen. Je vous propose, tiens, d'écouter l'original tout de suite. I Want to Break Free. À tout de suite, Franck.
Man, évidemment, Queen et Freddie Mercury, I Want to Break Free. Et puis pour la copie talentueuse, on ira ce soir à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas, donc pour ce concert hommage à Freddie Mercury. Alors, hommage à Freddie Mercury et à Queen ou pas, Franck? Oui, oui, bien sûr. Les deux, oui, hein, bien sûr. Oui, d'accord, on est d'accord. Oui, 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 c'est absolument ça. Mais en fait, l'idée de l'album et du spectacle sont nées à Montreux, en fait. L'idée est née à Montreux. C'est une ville où Queen a vraiment laissé son empreinte. Il y a la statue de Freddie, il y a le studio d'enregistrement. Et ça a réveillé plein de souvenirs en moi. Et ça m'a donné envie d'écrire ce spectacle qui est vraiment le parcours d'un fan, en fait. C'est juste ça. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est agrémenté de reprises de Queen, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé du biopic qui est sorti avec Rami Malek? J'imagine que vous étiez le premier dans la salle de cinéma pour aller le voir. Bah oui, absolument. C'est une réussite. Après, évidemment, les fans hardcore, un peu comme moi, ils sont au premier abord un peu choqués par les anachronismes, mais finalement, on se rend compte que finalement, ça sert le film. Et si l'idée du film, c'était de faire connaître Queen à des nouvelles générations, c'est parfaitement réussi, quoi. Mais je dis... C'est intergénérationnel, Queen. Absolument. C'est vrai qu'on a des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux qui écoutent Queen, c'est vrai. La sélection des titres, alors il y a les vôtres, évidemment, les titres originaux, et la sélection des reprises, elle s'effectue comment, Franck, là, pour votre concert? Elle s'effectuait en fonction des... Alors, à la base, j'étais plutôt parti sur un concept de pas trop faire les gros hits. Faire plutôt des chansons, c'était plutôt un spectacle intimiste à la base pour les fans vraiment, et puis on s'est rendu compte que c'était quand même pas mal de faire un peu les chansons plus connues, donc c'est un mélange des deux. Il y a des morceaux de Queen un peu moins connus que les gens peuvent potentiellement découvrir, et il y a évidemment quelques gros hits incontournables. Est-ce qu'on a le droit, lorsqu'on est dans le public ce soir à la Secret Play, de faire un peu de jukebox, genre je voudrais écouter I Want to Break Free, je voudrais écouter tel ou tel titre? Non, c'est possible ou pas? Oui, on peut toujours tenter, parce qu'avec moi, c'est facile de me convaincre, moi. Donc du coup, on peut tenter. C'est-à-dire que des fois, je connais pas les chansons et je les joue quand même. Ouais, d'accord. Ça donne toujours un moment insolite. Mais non, a priori, on se tient à peu près à la setlist que nous avons. Et vous commencez par vos chansons originales, puis les reprises, comment ça se passe? C'est ça. Ouais, c'est ça. On enchaîne les deux parties. Les deux parties s'enchaînent de manière presque naturelle, j'ai envie de dire. C'est noté, concert hommage à Freddie Mercury à Queen ce soir à partir de 20h à la Secret Place. C'est à Saint-Jean-de-Védas. Alors, Secret Place, en général, c'est le temple du heavy metal à Montpellier. Bon, là, on sera un petit peu plus, j'allais dire, rock. Rock, et donc, oui. Dans l'univers de Queen, en effet, à la Secret Place avec vous et vos camarades sur scène, qui sont combien, Franck? Alors, c'est un petit spectacle. Nous sommes deux sur scène avec Jack, et on peut dire qu'on est trois avec Louis qui s'occupe des lumières, parce que les lumières ont un rôle très important dans le spectacle. Et il y aura Stan Matisse aussi qui va ouvrir la soirée. C'est un artiste lyonnais qui est formidable, et c'est organisé par l'association Oh My Song. Voilà, je te dis juste à le préciser. C'est noté, 20h ce soir à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas. Bon concert, Franck. Écoutez, je vous remercie de m'avoir donné la parole. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.